utilisateur des réseaux sociaux que vous êtes, sur l'importance de votre identité numérique. Tout ce que vous écrivez sur Internet, sur les réseaux sociaux, reste et constitue votre identité numérique. Si on fait un test et que je cherche à voir ce qui est écrit sur moi, ce que j'ai publié, je vois ce qui est écrit sur des tweets assez désagréables. Donc Noémie est là. Donc Noémie, je vois que vous appréciez particulièrement mes cours. Prof de merde plus cours de merde égale journée de merde. Hashtag Martin Curel, ça fait plaisir. Je vois Kissa est là. Partage son avis puisqu'il retweet. Au lieu de nous faire court, elle devrait plutôt faire un nouveau look pour une nouvelle vie. Bon, je crois qu'on va passer aux choses sérieuses. On va donc reprendre le cours. Alors, avant tout, on va voir que l'on fait référence à la sociologie des organisations, comprendre comment fonctionne une organisation. Longtemps, la sociologie tournait sur elle-même. Elle était vue par les chercheurs comme inutile à la société, comme formant une classe des chercheurs et de l'individu sociologique. Et elle ne cherchait pas à former des gens qui travaillaient dans la société, parce que le risque était qu'elle serve finalement les acteurs du système. Or, la sociologie voulait rester critique. Madame Martin Curel a porté plainte contre Noémie et Issa pour injure. Noémie et Issa risquent chacun 12 000 euros d'amende et des dommages et intérêts à verser à Madame Martin Curel. Article 29 de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Noémie a porté plainte contre Bastien. Celui-ci risque également une amende de 12 000 euros pour injure ainsi que des dommages et intérêts à verser à Noémie pour atteinte à l'image. Article 9 du Code civil.